Mais... c'est dans l'autre sens. Ça fonctionne quand même, même si c'est pas dans le bon sens. Ouf, tant mieux. J'ai pas fait exprès. Ça, c'était pas prévu. D'accord, je prends, c'est gratuit. C'est drôle d'ascenseur. Je peux pas préparer le turbo là-dedans. J'ai rien dit. Punaise, il y a des choses là. Garde. Je peux aller en haut et en bas. On va aller en bas en premier. Wow. Un peu rapide. Aller là. Vais-je récupérer une nouvelle fonctionnalité? Ah, le chorizo, enfin. Ok, donc les carrés bleus. Rayon grappin. Ok, donc le grappin n'était pas du tout là où je pensais en fait. Tire un rayon en forme de corde pouvant s'attacher au point d'attache bleu. Ok. Maintenez ZR. Et appuyer sur Y pour tirer. Une fois Samus accroché, incliné L, patati patata. Tirer les objets. Porte rayon grappin, bloc rayon, caisse rayon. Lorsqu'elle est accrochée à un point de balancement, Samus peut se balancer d'avant en arrière. Si Samus tire sur une surface magnétique, elle sera rapidement attirée vers... Oh, je peux aussi me grappiner sur le... Ça, d'accord, très bien. Merci Chorizo. Alors, ZR. Ah, c'est juste une porte. Très bien. Enfin, juste une porte. C'est une porte. Par contre, pour le maintenir. Je suis Spider-Man. Regardez, je suis Peter Parker.
clairement Peter Parker. Bon, maintenant qu'on a du bleu, ok, on va aller dans une nouvelle zone, c'est génial. Mais en vrai, il y a peut-être des trucs bleus à chercher là-dedans. Et je suis pas allé là-dedans en fait. Dans cette zone rouge là. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a de la lave. De la lave, mais. Il y a toute une zone bleue là. Du coup, c'est un marqueur. Marqueur bleu. Faudrait que j'arrête de quitter la map à chaque fois. Du coup, je peux nettoyer cette map là. Pas passé là? Pourquoi je suis pas passé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas passé là? Ok. Je me balade sur la map, c'est génial. Il y a peut-être un truc là-haut. J'aime pas quand la map elle est pas toute formée. Bon, là c'est le froid. Grappin. Il y a plein de choses à voir. On va juste ouvrir là-haut. Et je pense que je vais me balader dans... Je vais rester me balader par ici, j'aime bien. Hop là. Un TP de couleur. C'est pas un TP de couleur. Si? Non, non, c'est un transport. C'est juste un transport, très bien. Non, je me rends pas à dérouler. Enfin, juste un transport, c'est un transport. C'est déjà pas mal en vrai. Alors, on va re-sauvegarder. Je me demande s'il y a plus de sauvegarde que de mort. Ou l'inverse. Il va falloir tomber. Ah, je vais m'amuser qu'il va falloir monter, dis donc. Et je vais aller là-bas. Donc, on va par là, on redescend. On va aller comme ça. Allez, on fait ça. C'est là-bas. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais pas allé là. Pourquoi je suis pas allé là? Je ne sais pas du tout. Quel intérêt? Je sais pas. Donc on remonte, on repasse par cette sauvegarde là. Et tout en haut. Pardon, je passe. Ah mais là il y a le machin qui va me gêner. Faut que je fasse le grand tour. Punaise. Ok. Regarde là-bas ou pas? On va y arriver. Ouais, il y en a une en dessous.
sauvegarde ici, on sait jamais si on tombe dans la lave après. Bien. Alors, grappin. Il y a du feu. Ils peuvent me faire tomber, donc on va y aller tranquillement. Ok, je m'attendais pas à ça, mais bon, bah, c'est toujours ça de prix. Maintenant, faut faire demi-tour. Au marqueur bleu ici. Là, je peux pas. Donc, on va aller au marqueur bleu ici. Okay. Et donc, pour y aller, je dois refaire tout en haut, au maximum en haut. Bon, on va faire ce qu'on peut. Regardez. C'est bizarre quand même. Mais je pense que c'est plus du décor. La sauvegarde. Oh punaise, ça faut que je fasse le tour. Attendez, par où je dois passer? Parce que je peux pas monter là en comète. Mais pas du tout. Comment je fais pour monter? Comment j'ai fait pour monter? Je suis descendu par là, ça c'est un fait.
C'était une scène où tu devais faire une course sous peine de griller. Oui, ça je m'en souviens. Mais je me souviens plus du point de départ. Pas ça, donc j'ai pas accès là. Ça a redessiné la carte de la salle. Le truc, c'est que j'ai envie d'accéder là-haut. Aucun moyen actuel si peut-être j'en ai peut-être un y aller avec les rebonds sur les murs, mais ça ne veut pas. C'est dommage. C'est dommage. Bon, du coup, là, bloqué. Bloqué. J'ai pas de TP en particulier. Du coup, là, je laisse en stand-by. Donc, il faut revenir ici. Prendre l'ascenseur. Je pourrais la Kataris en vrai. Et la Kataris, il y a plein de choses en bleu. De mémoire, ça par exemple. Mais il faut passer par un autre côté. Là, ça je pourrais y aller aussi. Il y a une salle, en plus, il n'y a qu'une salle. Tac, 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 tac. Oui, c'est possible. Là, je sais pas ce qu'il y a. Portail bleu. Je n'y ai pas accès, d'ailleurs, parce qu'il faut aller plonger dans la lave. Du coup, je peux pas y aller. Via Artaria. Sinon... Là, il y a un truc bleu aussi. Donc, j'ai l'impression que pour le moment, d'accessible à Kataris avec mon nouvel outil, je n'ai que deux choses. C'est-à-dire ici. Et... Mince, j'ai perdu l'autre. Ah mais là, c'est peut-être autre chose en vrai. Peut-être que j'y ai pas du tout accès là, pour le moment. Peut-être. Là, il y a quelque chose aussi. Là, il y avait les trucs là. Là, c'est la salle de Cred. Là, il y avait ces deux machins qu'il faut que j'utilise. Je vois pas l'intérêt, mais bon, c'est pour dessiner la carte. Là, il y a une salle. Là, il y a des salles. J'ai envie d'aller là, en fait. Sauf que pour aller là-bas, j'ai besoin de prendre ce déplacement-là, qui est juste à l'autre bout, en fait,
de Artaria. Sinon, on va aller ici. Ça me ramène à Deron, c'est ça? Et c'est un transport. C'est pas un TP. C'est un TP? Non, c'est un transport. Qui me ramène quelque part là-dedans. Peut-être. Ou peut-être pas. Oh, oui, je sais que l'énergie est au maximum. On va pas redescendre. Ouais, on va suivre le cours du jeu. Je vais reprendre le cours de la quête principale. Ah mais je peux même plus grimper en fait. Allô grappin. Plus grimper. Faire le tour. Le grand tour. Attendez. Je vais faire un petit détour. Sûr. Un objet inconnu a été obtenu. Vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Un objet inconnu ? Ok. Il y a quand même une porte là. Excusez-moi. Il y a un truc là. Bon, j'ai un objet inconnu sur moi. Très bien, c'est gratuit. Je voulais aller où déjà? Faut que je remonte. Je fais le tour. Pardon, je passe. Non, 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 non. En plus, j'ai vu un truc bleu. Il y a un truc bleu ici. Punaise.
Ah, quand même. Voilà. Bon, du coup, je me suis fermé un passage, mais bon. Je peux le rouvrir ou pas? Ah non, c'est fermé, fermé. Non, c'était pas. Punaise, je sais plus où je vais. Sérieux? Ok. De retour. C'est là qu'il fallait que j'aille. Voilà. Allez, on y est presque. Ok, enfin arrivé. Après ces moult détours. Du coup, où est-ce que le jeu veut qu'on aille?
C'est pas fait exprès ça. Ça sert à quoi? Non mais ça c'est pas là gratuitement en fait. Il y a un truc à faire avec ça, c'est pas là gratuitement, quand même. Très bien, passage express. Est-ce que je peux le reprendre dans l'autre? Ça ne se reprend pas dans l'autre sens, très bien. J'ai dit qu'il fallait aller là-haut. Ici. Voilà. Pour me dégager cette zone-là vers un autre vaisseau spatial. Génial! Encore en transport pour une autre zone. Je suis ravi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses bleues à faire à Deron? J'avais fait des j'avais mis des marqueurs, je crois, en plus. Là, il y a quelque chose. Je suis où, moi? Oh, c'est juste en bas, ça va, c'est à côté. Là, ici. Mais là, je sais pas si y a moyen d'y accéder. Si je veux accéder là, il faut que je revienne par là. Tac. Tac. Je casse ici, je passe par là. S'il y a peut-être moyen de se chercher ça. En bleu. En vert, pardon. Oh là là, c'est, je confonds les couleurs maintenant. D'hiver d'abord. Non. Cette zone non, cette zone non. Là non plus. Là, ici, oui. Et après, normalement, c'est... Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Donc on va... là c'est là où je suis. Donc c'est là où il faut aller maintenant. Je mets un jaune. On va descendre clean les marqueurs bleus. Celui-là, celui-là. Et l'autre il est où? Il est un peu plus loin quand même. Ok. On va se concentrer sur le premier qui est ici. Donc j'ai juste à redescendre tout en bas. Passer à gauche. Ensuite... Je repasse à gauche, je vais ici. J'espère pouvoir rentrer, revenir après. Là, c'est... Mais je suis même pas sûr en vrai, je pense qu'il est à l'opposé le machin. Je pense que c'est par ici qu'on casse celui-là, pas par dehors. Ce serait trop simple. Donc lui, je pense que ça sert à rien d'y aller. Donc on va aller directement là-bas. On va tester par ce côté d'abord. Donc, je vais lui, je prends lui, je remonte. Tout droit, ok, c'est parti. Et ça a servi à quoi? Non mais sérieusement. Ça a servi à quoi?
tout ça pour faire un passage là. Ok. Allez, le marqueur ici, on peut l'enlever. Et maintenant, le prochain, il est loin, loin, loin. On passe par en bas. Je peux passer là, je peux passer là. Je remonte. Non, je remonte pas en fait. Où je dois aller? Attendez. Non, c'est je remonte là maintenant, je passe en bas du verre. Ok, je remonte là maintenant. Il va falloir que je me régène à un moment donné. Ok, j'ai pas réussi à faire Spider-Man. Donc là, il y a des machins pour faire Spider-Man. Ah! D'accord. Super dur en fait. J'y arrive pas. Comment on fait? Elle va pas plus loin. Ah, oh, je les ai eus. Pas prévu, mais je les ai vus. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait que je monte, donc je descende là. Ah, oh, ben ça c'était gratuit. Allez, et de 5. Comment j'ai fait pour la rater ça? Ah oui, je sais comment j'ai fait pour la rater. Non! Si, c'est deux blocs. Donc, je peux peut-être péter le truc dans la lave. Ok. Tout ça pour aller là. J'ai juste ouvert un passage en fait, tout simplement. J'ai juste ouvert un passage. Très bien. Et maintenant pour aller là, vu que je vais supposer que c'est possible. Quoique j'ai quand même un doute en vrai. Faudrait que je revienne par là, repasser par le vert. Repasser par le haut. Je pense pas à dash, je pense vraiment pas à dash. Les blocs bleus sont orientés avec le grappin. Oui, donc c'est ça. Donc le rouge en fait tu peux pas l'avoir. Bloc inconnu.
paraît vraiment bizarre que ce soit en plein milieu comme ça, ça. Non. Tout en bas, à droite du vert. Maintenant, je descends. Ouais, c'est ça, c'est que dans l'autre sens, c'est juste un chemin de retour. Et du coup, pour cette zone qui m'a embêté tout à l'heure, bon, en dehors de ça, je vais le laisser, mais voilà. C'est que là, en ayant du skill, je suis censé me mettre en boule, m'accrocher en mode équilibre, faire un rebond mural à droite de moi, là, et réussir à me mettre en boule sur la plateforme au milieu, là-haut, là. Et après je roule et je suppose que j'atterris là-bas. Voilà. C'est un chemin pour le speedrun. Ah oui, non mais... D'accord. Du coup, je le dis, et je vais le redire, mais... Ici, c'est le slow run. Hein, c'est... Je pense que vous l'avez tous compris. Alors, j'avais réussi à le faire tout à l'heure. Voilà. Non, par contre, non. Voilà. Ah non, il va mort. Voilà. Non, oui. Pour obtenir le grappin plutôt. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Bon, niveau marqueur bleu, à part celui-là qui manque Kikine, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on retourne. C'était où qu'il faut que j'aille? C'était là? Oui, c'était là. Non, c'était là, c'était celui-là. Pourquoi j'ai pas sauté là? Pourquoi le plafond il est pas propre? J'aurais pu le faire au passage en plus. Donc faut que j'aille ici. C'est ce marqueur jaune. Eh bien allons-y. Et je suis où? Je suis là, donc à droite. Je peux pas remonter par là, mais je peux remonter par là. À droite. C'est gratuit, hein, autant se faire plaisir. Ça m'a touché. Ça. Ah oui, ça me touche à travers les salles aussi, bien sûr.
Ok, on enlève ce marqueur. Visitons. Nouvelle zone. Vérénia. Très bien. Et une fois Ferenia, on trouve un poste de sauvegarde pour bien être. Musique d'ascenseur, tout à fait. Je viens de dire le truc. Du coup, je dis quoi ? Oui, on trouve un. Oh, c'est joli, dis donc. Ça a l'air très luxueux. Je disais quoi ? Oui, on trouve un poste de sauvegarde et on va s'arrêter là. Pour manger. Et j'aurais bien aimé continuer en vrai. On va pas aller là, attendez. On va d'abord aller là. C'est pourtant l'angle. Par contre, on arrive dans une zone qui nous dit « Tenez, prenez tant de munitions. Tenez, pour récupérer toute la vie. » Ça sent pas bon, ça. Pour passer là-bas. C'est un double saut mural. Non, c'est pas ça. Hey. Raté, punaise. Non, pas ces bêtes-là, punaise. Je déteste ces bêtes-là. Si je meurs, je retombe à Pétaouchnok. Et il va falloir que je m'accroche quelque part. Dans l'eau, elle me voit pas. C'est rigolo ça. Dans l'eau, elle ne me voit pas. Une porte de Emmy. Voulez-vous que je dash là? Comme ça. Il est où l'autre? Il est là. Il était là. Ah! Hiéroglyphe. Samus, qu'est-ce qui t'arrive? Tue-le.
Bonjour. Mais du coup, si c'était, ils sont à toi les Emmys, pourquoi tu... Enfin, ils sont à toi, non, ils sont pas à toi, mais pourquoi ils étaient tous méchants? Pourquoi tu les as reprogrammés et là, d'un coup, tu dis ils sont gentils? Je suis Toji Paisible, scientifique de la tribu Toa. Le Chozo qui t'a attaqué a pour nom Bec de Corbeau. Ah, c'est pas le même, d'accord. Il possède des capacités physiques et un intellect supérieur. Et il est à la tête d'une tribu de guerriers Chozo appelée Maokin. Mokin. Mokin. Avec l'aide des Mokin, une tribu alliée des Chozo, nous avions réussi à contenir les Metroïdes qui infestaient SR-388. C'est bien, et c'est doublage en vrai. Ils étaient devenus plus dangereux que jamais et notre intention était de détruire la planète pour les éradiquer. Cependant, Bec de Corbeau prit des mesures extrêmes pour empêcher ça. Pour lui qui vénère le pouvoir de tous, les Metroïdes étaient le symbole d'une puissance capable de dominer la galaxie. Comment Samus peut comprendre cette langue? Excusez-moi, mais... Bec de Corbeau complota pour ramener les Metroïdes sur ZBR et s'en servir comme une arme biologique. Pour ce faire, il a besoin de la tribu Toa, car nous sommes capables de contrôler les Metroïdes. Et dans ce but, je fus le seul à être épargné. Ah! Bec de Corbeau et les Maokin me ramenèrent chez eux sur ZDR pour continuer les préparatifs visant à rassembler des Metroïdes. Néanmoins, ils durent faire face à des difficultés imprévues et furent contraints de mettre leur plan en suspens. L'un des soldats qui revint de SR-388 était en réalité un X sous couverture. ZDR fut plongé dans le chaos, tous ses soldats se retrouvèrent infectés par le X. Mais malgré tout, Bec de Corbeau réussit tant bien que mal à les contenir. Il voulut alors remettre son plan en marche. Mais tu avais déjà éradiqué les Metroïdes de SR-388. La disparition des Metroïdes aurait dû ruiner les plans de Bec de Corbeau. Oui, ils auraient été ruinés si tu n'avais pas été là. Les ennemis sont manipulés par Bec de Corbeau. Samus Aran, écoute-moi bien, il leur a donné l'ordre de tuer, oui, ça je sais, je suis mort plusieurs fois. D'extraire de l'ADN de Metroid de ton corps. Ah. Ne t'inquiète pas, je vais mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Avance par ici, j'ai déverrouillé la porte. Je compte sur toi, Samus. RIP. Non, c'est du gameplay. Stop. J'ai paniqué, j'ai appuyé sur tous les boutons. C'est du gameplay. Prévenez les gars. Je sais pas, faites quelque chose. Ok, il peut prendre des dégâts, mais je vais mourir en fait. Mais il prend pas de dégâts. Je vais mourir.
traducteur auto dans la combinaison. Samus a été élevé par les chorizo, ils ont même donné son armure. Il a paniqué. Un petit peu, ouais. Par contre, la sauvegarde, elle est loin. Genre, très très loin. Ah, il me remet ici. En vrai... Allez, on se retape la cinématique de 5 minutes. C'est pas vrai. Ou alors faut juste que je fuis. Non, c'est pas juste que je fuis, c'est vraiment un boss-boss. Hein. Par contre, comment l'achever, je sais pas. Ok, missile. Les missiles, ça lui fait des choses. Par contre, lui aussi, il me fait des choses. Ah. Je vais mourir encore. Ça fait mal. À la base, je voulais juste une sauvegarde pour aller manger, mais bon. Ah oui, il a fait le tour aussi. Voilà. Je m'enlève tout en... Voilà. J'ai rien fait, 2 secondes de jeu. Voilà, on spam. Autant rester comme ça, ça passera pas. Voilà. Si tu enlèves la combi, ça le déstabilise. Je peux pas enlever la combinaison. Attendez, une chose, là, il est double lui. Et si? Non, il n'y a pas de double. Ok, non, le double ça sert à rien. Il fait moins mal. Il nous laisse pas le temps de prendre l'apéro, j'avoue. Un point de vie. Je sais pas comment l'esquiver en fait.
Du coup, il y a gentil chorizo qui est mort. Quoi, c'est tout? Il est où le cadavre de l'autre, là? Pardon, hein, mais... Il a réactivé l'EMI, forcément. Bah oui, il a réactivé l'EMI, sinon c'est pas drôle. Il y a un tout petit truc à droite, j'aurais aimé faire, mais là, j'ai toujours pas de sauvegarde, il y a toujours pas de sauvegarde. Ça, c'est moi sur Ring Fit en fait. Courir sur place. Bon, je peux pas passer. Aller au paradis des mobs. J'ai peur qu'il va il va bouger dès que il va bouger. Bon, je peux pas passer par là. Pas passer par là. Je peux pas revenir ici pour changer de zone. Je peux pas aller là-haut. Pas courir. Je pensais qu'utiliser d'accord. J'avais un ventilateur quelque part dans une autre région du jeu, faudrait que je m'en souvienne. Nickel, merci pour le tip. J'y aurais absolument pas pensé. Ah non, pas eux, hein. Voilà. Il y a une porte en haut. Ah, c'est rigolo ça. Mais c'est où? Attendez là. Vous êtes gentil, je... Mais on passe par où pour choper cette chose? Ouais, alors... Je suis pas d'accord. Alors déjà, ça c'est du froid. Oh là là, il fait froid, on se casse. Voilà, c'était la reine des neiges, c'était Elsa. Au secours, hein, je la supporte plus, elle est partout. Là par contre, il y a moyen d'avoir cette chose, mais comment? J'éclipse le screamer, évidemment.
Comment je fais pour avoir ça? Parce que c'est quand même bizarre. Bon, on va voir par là peut-être. Ah! C'est une nouvelle zone de voyage. Nouvelle zone de voyage. Le truc c'est que ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis censé avoir les capacités pour récupérer cette chose. Mais ça, ce sont des blocs fragiles. Et on va pas me dire qu'il y a une petite salle juste là. J'y croirais pas du tout. Ou alors... Comment déjà? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais je sais plus comment on balance. D'accord, je l'ai fait, mais pas du tout comme je le pensais. Ok, c'est pas comme ça non plus que je pensais. Bon, ça m'a réattiré ici. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, j'ai besoin d'une sauvegarde. Donc là, on sait qu'il y a des blocs orange. Il faudra faire quelque chose ici, mais je ne sais pas quoi. Donc, on s'en va. C'est une longue région, ça, ou pas? Ça a l'air, hein. On retourne à Deron? Ah bah soit. Mais on retourne sur cette zone là, d'accord. Alors avant de sauvegarder, parce que je l'ai bien vu, on va avoir droit à du texte. Ok, je suis obligé de sauvegarder d'avoir droit à du texte. Envoie les données. Cet ami Doa nous a fourni de nombreuses informations. On sait à présent pourquoi les ennemis sont après toi. Samus Aran, c'est bête de corbeau qui t'a attiré ici. Il veut l'ADN de Metroid qui n'existe plus que dans ton corps. Je peux confirmer que Tosh Paisible a désactivé tous les ennemis restants. Tu devrais pouvoir rejoindre la surface sans danger. Tous les ennemis restants, c'est une blague. Bien sûr qu'ils vont devoir, ils vont m'agresser à un moment donné, j'y crois pas. Hein. Ce serait trop simple. Le chemin que Tosh Paisible a ouvert est à Bourenia. Retourne-y immédiatement. Ah, c'est Bourenia, donc c'est bien Bourrata, j'avais raison, quoi, c'est pas Bourenia. Retourne-y immédiatement. Il me parle mal, Adam. On se calme, Adam. Voilà, ça c'est ouvert, ça me bloquait depuis tout à l'heure. Hop là, tac, on revient ici. Bourenia Bourrata, c'est par là. Ah, j'ai deux choix. Mince, c'est lequel qu'il faut qui m'intéresse en fait. Et je dois aller où? Une fois à Bourenia, je vais où? Il y a plein de trucs. Il y a du bleu là par contre. On va trouver du bleu. Là, il y a du rose. Ça, je sais pas comment y aller. Ah oui, c'est ça. C'est ici qu'il faut aller.
qu'il faut les aller, bien sûr. Oui. Donc on met le marqueur jaune ici. Là, il y a du bleu. Donc on va marquer, faire un marqueur bleu. Ça sera dans l'autre sens en plus, mince. Donc c'est pas celui-là. C'est ici. Voilà. Là, il y a cette chose verte. Je sais pas quoi en faire pour le moment. Un peu partout. Là, il y a du bleu de ce côté-là. Ensuite, en bas, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il faudra passer par là. Là, il y a ça. Une réserve de missiles que je n'ai pas récupérée. Que je vais pouvoir récupérer avec mon grappin. Un bloc bombe. Là, il y a du bleu. Ça, on pourra le faire sur le chemin, d'ailleurs. En fonction de par où je passe. En gros, ça serait mieux de passer par en haut de des ronds. Ou même en bas, ça revient au même, en fait. Hein. Quoique... Non, je pense que c'est plus sympa en haut, quand même. Donc, faudrait passer par là. Ok. Ok, ok. On re-sauvegarde une dernière fois. Pour la 57e fois du jeu. Je pense même beaucoup plus en vrai. Voilà, c'est fait. Je m'arrête là pour. J'allais dire cet après-midi, mais en fait, on est déjà ce soir. Je suis en stream depuis midi quand même. Vous connaissez la chanson, suivez la chaîne évidemment, rejoignez le Discord, il y a des jeux à récupérer gratuitement toutes les semaines sur Discord. Suivez les différents réseaux de l'association évidemment, je le rappelle qu'il y a IVA Sound Studio, c'est une association, on fait du gaming, de la radio et d'autres choses. Voilà, j'ai envie de revenir sur Metroid ce soir, j'ai envie d'avancer, donc après manger je reviens sur Metroid. Je sais pas à quelle heure. Il y aura un tweet, il y aura une notification Discord, mais je reviendrai. Du coup, prenez soin de vous. Bon appétit. Et YouTube, à très bientôt. Twitch, à tout à l'heure. Cordialement, bisous.